Un tome de démonologie. Un pentagramme pour lier les créatures invoquées. Il est presque effacé, il me faudrait de la craie. Après ça, je pourrais m'occuper des bougies. De la magie noire. Bien, ça devrait aller. Maintenant, les bougies. Voyons un peu. Non, rien. Essayons ça. Reviens! Il faut qu'on parle! Laisse-moi tranquille. Je veux rester seul. Non, pas cette fois. Viens ici tout de suite! Laisse-moi. Je veux juste travailler en paix. Doyan Ufus. Sobakamisa Yada. Sobakamisa Merasas. Bon sang, que dois-je faire? J'ai tout essayé. Je veux annuler notre pacte. Je vous invoque. Répondez! Pas en faire un petit serveur là. Vide jusqu'à la dernière goutte. Une chope de bière qui contenait de la vodka. C'est à cette époque qu'il a commencé à fumer. Un contrat de mariage entre Iris et Holgerd. Le souvenir est toujours incomplet. J'ai dû me tromper.
Voilà donc comment il passait les longues soirées d'hiver. En outre, vous accorderez à Iris le respect qui lui est dû. Vous tiendrez compte de ses conseils et de ses requêtes. Et vous ? Bon, écoutez, venez-en au fait, père. Ma patience a des limites. Oh, avec plaisir. À la demande d'Iris, je déclare ce mariage nul et non avenu. Tu avais juré, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et j'ai tenu parole. L'homme que j'ai épousé est mort. On ne revient pas sur sa parole aussi facilement. Crois-moi. Tu ne me quitteras jamais. Jamais. Ça suffit. Vous n'avez pas d'ordre à nous donner. Vous. Père. Père. Non. Serviteur. Jetez cette carcasse en pâture aux animaux. C'est à ce moment que Von Evrek a cessé d'être humain. Il aimait encore sa femme. Non. Il avait le souvenir de l'avoir aimé, c'est tout. Allons à l'étage. Shit. Je me souviens. Nous avons passé beaucoup de temps ici, tous les trois. En silence. Nous allons prendre nos places, comme à l'époque. À toi de faire le reste. Des poils de fourrure. Des griffures. Un seul couvert sur la table. Un petit bol. Pour la soupe, peut-être. Un grand bol en argile. C'était à toi, je crois. Et voilà. J'ai dû me tromper. Non, c'est juste que j'ai pas trouvé ce qui soit allé à toi. Un plateau. Tiens. C'est parfait. Vous mangiez vraiment là-dedans ? Bien sûr que non. Je te l'ai déjà dit. Nous ne sommes pas des animaux. Le gardien n'en avait cure. Il suivait les ordres. Encore un monstre ? Je t'avais demandé d'arrêter. Ces deux-là ne te suffisaient donc pas ? Le chien et le chat te tiennent compagnie. Celui-ci te protégera et entretiendra la maison, quoi qu'il arrive. Autrefois, je rêvais de savoir ce que tu avais dans la tête. J'espérais pouvoir t'aider. Aujourd'hui, je me fiche bien de savoir ce que tu ressens. Je ne ressens rien. Je ne te déteste même plus. Va-t'en, Holgerd. Je ne veux plus te voir. Holgerd Von Evrek n'avait pas compris que nous ne pourrions jamais le remplacer. L'ombre de son spectre plane désormais sur le moindre souvenir de Damiris. Nous arrivons au bout du chemin. Qu'est-ce qui nous y attend ? La plus grande peur d'Iris Von Evrek. Ma tendre épouse, une lettre d'Holgerd à Iris.
J'aimerais manier les mots aussi bien que l'épée. Surtout en ce moment alors qu'un froid glacial enserre mon cœur. Je vois bien tes regards. Je vois ton désespoir. Je ne peux pas t'aider, mais je peux au moins cesser de te faire du mal. Je t'adresse cette lettre, cette rose en guise d'adieu. N'oublie pas les bons moments. Holgerd. J'ai pas compris, gros. J'ai pas compris, en fait. Faut juste que je tape un mec, c'est ça? Ah ouais. J'ai pas compris le délire, en vrai. Oh, ils m'ont... frère. Mon vieux, lequel de ces messieurs? Et arrête, attends. Mais sérieux là?
Case the Lost. Wouah, j'ai flippé. Vous n'êtes pas lui. Attendez. Je voudrais vous parler. Pas ici. Pas en ce lieu. Pardonnez-moi, je vous ai pris pour un autre. Pour Holgerd ? J'ai cru qu'il était revenu, pour moi. Qu'êtes-vous donc ? Un fantôme ? Une illusion ? Je ne suis que tristesse. Nous avons déjà fait connaissance. Et je vous ai vu dans vos souvenirs également. Vraiment ? Je ne m'en souviens pas. Je fais de mauvais rêves. Je ne sais rien de plus. Je suis venu pour la rose violette offerte par Holgerd. Oui, le jour où je l'ai vue pour la dernière fois. J'ai séché la rose et je l'ai mise dans notre chambre, à mon chevet. Je suis restée là pendant des jours, jusqu'à ce qu'elle tombe en poussière. Comme moi, peu après. Donc, la rose est détruite ? Pas dans ce monde. Regardez. Vous avez enterré mon corps et elle a refleuri. Et je... J'étais plongée dans un profond sommeil. Comme ma belle rose. Je m'éveille à nouveau. Lorsque vous avez posé la brosse sur ma tombe, j'ai repensé à ce jour où Holgerd m'observait en silence pendant que je me brossais les cheveux. Dites-moi, comment va Holgerd ? Est-il en bonne santé ? Oubliez-le. Il n'est plus l'homme que vous avez aimé. Ainsi, son cœur reste de pierre. Et... pense-t-il encore à moi ? Vous a-t-il parlé de moi ? Je ne l'ai pas vraiment questionné à ce sujet. Il m'a juste demandé de récupérer la rose. La rose ? C'est tout ce qui me reste de lui. Son dernier cadeau. Cette rose, c'est plus qu'un simple souvenir pour vous, n'est-ce pas ? Mes souvenirs sont si vagues. Pourtant, lorsque je pense à ma rose, tout s'éclaircit. Le monde qui m'entoure prend corps, et... Mes yeux s'ouvrent. Je me souviens de certaines choses, de la femme que je suis et que j'étais. Un ami m'a parlé d'un cas similaire au vôtre. Une émotion puissante vous lie à cette rose.
Les sorceleurs appellent ça une épingle. C'est elle qui vous retient dans ce monde. Comme un insecte dans une collection? C'est horrible. Je ne vais pas vous mentir. Si je prends la rose, vous risquez de disparaître, ainsi que votre petit monde. Et qu'adviendra-t-il alors? Serais-je libéré de toute cette souffrance? Irai-je rejoindre le néant? Je l'ignore. Je ne veux plus souffrir. Mais j'ai si peur du froid et des ténèbres. J'ai peur de cesser d'exister. Cette rose, c'est plus qu'un saint. Mes souvenirs sont si... Un ami m'a... Je ne vais... Je l'ignore. Je ne peux pas prendre la rose. C'est pour elle que tu es venu, non? Je ne peux pas condamner Iris au néant. C'est encore un être pensant et inoffensif, sauf pour les intrus. Regarde-la. Regarde son monde. Elle est condamnée à une éternité de souffrance. Accorde-lui le repos. Que dois-je faire? Que voulez-vous que je fasse? J'ignore ce que je veux. J'ai peur. J'ai tellement peur. J'ai besoin de la rose. Acceptez-vous de me la donner? Elle est si fragile. Regardez, le bord des pétales est écarlate, comme le jour où je l'ai reçue. Il ne manque qu'une seule chose, la goutte de rosée qui a glissé de la feuille lorsque j'ai pris la rose. Ou bien, était-ce du sang? Parce que je m'étais piquée, je ne me souviens plus. Vous savez, je n'ai jamais lu la lettre d'Olgjord. Je n'en avais pas besoin. Et je n'aurais pas dû garder cette fleur. J'ai pris une décision. Je vais vous donner la rose. Ainsi prend fin notre service. Merci, étranger. Nous sommes libres. Un conseil avant de partir. Méfie-toi de l'homme de verre. Si tu lui barres la route, tu connaîtras un sort pire que la mort. Tu trouveras le salut dans le verre qui ne peut être brisé. Le verre qui ne peut être brisé? Adieu. Je ne vous oublierai pas, Iris Van Evreck. Cela n'a plus d'importance. Adieu. Show. Salut, c'est Isere, ça va quoi? Salut Job, tranquille? Chaud, il vient de se passer un truc de fou quand même.
super stylé le délire. Vraiment grave stylé. Encore une fois, CG Project. Waouh. C'est du rosier. C'est un simple DLC, tu sais quoi. Waouh, Bletovic il s'est bloqué. Ah, ça va. Ah, je sais même pas ce que va donner. Ce que va donner Blood and Wine. T'as un peu de soleil, quoi. Un peu de clarté. Oh. Trop stylé. Cette quête est assez tragique, je trouve aussi, ouais. Je trouve aussi. Mais tragique oui et non, en fait. C'est plus une libération, je trouve, tu vois. Pour moi, c'est faire tourner la page et empêcher que cette dame souffre toute sa vie, tu vois. Ça bien en fait, je trouve ça bien. Au début, je voulais pas en fait juger son sort, etc., etc. Mais en vrai, quand les animaux sont venus, qui m'ont dit genre il faut que tu le fasses et tout, j'ai dit ouais, pourquoi pas encore. Pourquoi pas. De ouf, franchement c'est un truc de fatigué. Deux pintes, et que ça saute. Enfin, mon bon monsieur, un peu de courtoisie. Alors là, je lève les yeux, et voilà qui descend à demi-tonne lait, cul sec. Gérald, par ici. Hey, Grison, t'as une tête à tenir la boisson. Merci, une autre fois peut-être. Allez, quoi, sois sympa. C'est ma tournée. Waouh. Il a pas le temps, lui. Hein. Frimeur. Bien sûr. Et pourquoi pas? Le temps est un jouet merveilleux. Et un ingrédient de choix pour le pain d'épices. Tiens, quelqu'un d'attentif. On parle beaucoup de temps, lui. Hein. En effet, il m'arrive de trouver à la manipulation du temps un attrait irrésistible. Son contrôle est si riche de possibilités. Ajouter un truc immonde dans la soupe des gens détestables, par exemple. Qui êtes-vous, juste? Gaunter de Murray. Alias... Répondez à la question. Ah. La question concerne ce que je sais faire. Biznakael, merci. En résumé, je fournis aux gens ce qu'ils demandent. J'exauce leurs souhaits, en somme. Ce serait noble, si vous n'exigiez pas une forme de paiement en retour. C'est la loi du marché. La maxime « on n'a rien sans rien » existait avant moi. Vous n'êtes pas humain, c'est évident. Qu'êtes-vous? Un démon? Un djinn? Vous voulez vraiment le savoir? Oui. Non, Gérald. Pas vraiment. Pour cette fois, je vous épargne en n'exauçant pas votre souhait. Tous ceux qui ont appris mon vrai nom ont connu la mort, ou pire encore, et j'ai encore besoin de vous. Waouh!
Et lui, il me fait flipper de ouf, hein. Vous contrôlez vraiment le temps ou c'est un tour d'invocateur? Quelle différence? Une énorme. Disons que le temps me fascine depuis toujours. Aussi ai-je appris à en faire bon usage. Pourquoi le temps? Gérald, il existe quatre dimensions. Longueur, hauteur, largeur et... temps. Mais franchement, qui s'intéresse à la largeur, hein? Un peu de sérieux. Et qu'est-ce qui me vaut ce plaisir? Je tenais à vous féliciter. Excellent travail avec Holgerd. Vous avez presque épongé votre dette. J'étais censé exaucer ces trois souhaits, c'est fait. À votre tour d'ôter la marque, nous sommes quittes. Presque. Pour remplir les termes du contrat à la lettre, il reste une dernière chose. Attirer Holgerd au temple de Lilvanie. Première nouvelle? Pas du tout. Ne faites pas l'innocent. Les contrats contiennent toujours une clause cachée. En petit caractère, certes, mais qui change néanmoins la nature du pacte. Cela vaut aussi pour les contrats verbaux. Rappelez-vous mes propos. Je crois cependant que tout finira pour le mieux. Et alors, nous nous retrouverons tous les trois pour nous remercier de ce voyage. Fin de citation. Oui, je me souviens. Si vous remplissez votre part du marché, je ferai disparaître la marque. C'était la dernière fois que tu m'interrompais quand je parle à quelqu'un. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Une mouche dans ma soupe? Je t'attendais, mais je t'ai pas vu arriver. Comment t'as fait pour entrer sans que je te voie? Je suis sorceleur. La vitesse surhumaine est l'un de mes nombreux talents. La mouche dans ma soupe, c'est toi? Non. Bon, écoute avec attention. Ouais, Shaimin, ça vaut quoi? Dis à ton chef de venir au temple de Lilvanie, au sud d'ici. On y entre par une caverne. Qu'est-ce qui se passe ici? Le temple de Lilvanie, tu as compris? Ouais, pigé. Une seconde. Ton amie, la Toubib, elle s'est pointée. En demandant que tu cherches après elle. Merci. Vous avez vu ça? Le bougre est tombé raide mort. Ne soyez pas timide. Vous trouverez tout ce dont vous rêvez. Allez, ça. Avec un sorceleur. Vous avez l'air malade. Vous avez mangé des pires cochons faisandés? Oui. Disent des pires que faisandés en forêt. T'es pas très net, toi. Shani? Oh, Gérald, tu es venu. Qu'est-il arrivé? Un cambriolage? Ça? Non, je m'apprête à déménager. Hein? Quand? Pour où? C'est pas de ça que je voulais te parler. Du moins, pas seulement, mais... Je pars, Gérald. Le front Est m'appelle. Je pars pour Kedwen. Alors, tu as appris des choses sur Holgerd? Oh, j'ai vite renoncé au livre.
et décidé que pour découvrir la vérité, il fallait que je trouve quelqu'un qu'il connaît. Et ce quelqu'un, tu l'as trouvé ? Je n'ai pas eu à chercher bien loin. Un collègue de l'académie, assistant du professeur Prémétine Tremblegon, affirme qu'Holgerd von Evreck a vu le professeur à de nombreuses reprises. Holgerd lui aurait demandé d'entreprendre des recherches. Le professeur s'est tellement démené qu'il a perdu la boule et s'est mis à veiller jalousement sur ses notes. Même son assistant n'avait pas le droit d'y jeter un œil. Ce professeur, où puis-je le trouver ? Ici même, à Ochsenfurt, cloîtré dans sa maison de l'académie, protégé par des chasseurs de sorcières. Des chasseurs de sorcières ? Il est assigné à résidence ? Difficile à dire. À l'académie, certains voient en lui un traître. Il se serait vendu aux chasseurs de sorcières contre un joli magot. L'assistant, au contraire, affirme que c'est le professeur qui a demandé cette protection. Contre quoi, je l'ignore. T'as vraiment pas une idée ? Il l'aurait certainement précieux. Un spécialiste en magie noire et occultisme. Du pain béni, si j'ose dire. S'il a réellement perdu la boule, je ne serais pas surprise qu'il se serve de lui. Il faut que je parle à ce professeur. Je t'accompagne. L'académie grouille de gardes rédaniens. Seul, tu ne passeras pas. Aucun garde ne m'a jamais arrêté, tu le sais. Si tu blesses cela, il faudra que je les recouse. En outre, on risque de tomber sur un ami. Auquel cas, aucun problème pour entrer. Re-Blaze. Salut à Sinweller. Depuis que Radovid l'a fait fermer, tourne à 60 FPS quand plus. Surveillance surtout. Ça dépend le PC que tu as. Beaucoup ont fui. Et ta configuration, est-ce que tu cherches ? Seuls les braves sont restés, déguisés en marins ou en lavandière. Pourquoi ? Simple curiosité. Les érudits ont visiblement adopté la tactique des mages. Ils sortent du même moule, le front est donc. Et ensuite ? Là où ils m'enverront. Où que ce soit, prends soin de toi. Comme toujours. Ne t'en fais pas. A plus, Icam. Halte là. Sur ordre du roi Radovid, personne n'entre à l'académie. Même les intervenants ? Personne, c'est personne. Quel procédurier tu fais, Norbert ? Je t'ai connu plus gentil quand je te rafistolais. Comment va le genou, au fait ? Impeccable. Comme avant la flèche. Estime-toi heureux. Si je n'avais pas décidé d'opérer à l'époque, tu aurais fini infirme à vie. Bruno. Quoi ? On pourrait la laisser entrer. C'est quelqu'un de bien. Elle va rien voler. Entendu. Mais seul. Un sorceleur, c'est trop voyant. C'est un coup à se faire épingler par le capitaine, ça. Voilà le plan. J'entre et je te fais entrer en douce par l'arrière. Comment ? Aucune idée, mais je vais trouver. En général, c'est moins bien gardé côté fleuve. Entendu. D'accord, laissez-moi entrer. Par où elle veut que je passe ? Ici, il n'y a pas de moyen de passer. Déjà, c'est où que tu veux que j'aille ? Ok, elle veut que je saute dans la flotte, en fait. Il y a de la profondeur, là, au moins ? Oh, t'es sérieux, Gérald ? Qu'est-ce que c'est ? Ah. Montre-moi ce que t'as dans le ventre. Ah.
bullshit! Geralt, psst, tu es là? Oui, je suis là. Attrape la corde. Jouer un FPS, Amine? Non, d'où pas du tout. D'où elle sort, cette corde? C'est une longue histoire. Bien joué, en tout cas. La maison du professeur Tremblegon est au bout de cette rue. Des chasseurs de sorcières surveillent l'entrée. Ils vont être plus difficiles à embobiner, ceux-là. Tu m'as déjà été d'une grande aide, Shani. Merci. Je t'en prie. Tu aurais fait la même chose pour moi. Si tu veux me revoir avant mon départ, je serai chez moi. Je n'ai pas encore terminé mes bagages. C'est noté. À plus tard. Vous me cherchez des noix? C'est quoi ce bordel? Anala, attrapez-le! Oh, fils de pute! Bonne soirée, Rosie. Excellente soirée. Fermé à clé. Il faut que je trouve un autre accès. Peut-être a-t-il laissé une fenêtre ouverte? Oups. Ça sent pas bon. Je dis ça, je dis rien.
T'as un téléphone, Amin? Si tu as un téléphone, gros, t'as juste. Si tu follow la chaîne, tu peux avoir des notifications sur ton téléphone. Signé d'argent. Ou par mail. Le sceau est inconnu, inutilisé depuis des lustres, on dirait. Un miroir brisé. Aucune trace de choc. Sûrement la clé inférieure de Gillian Alboko. À traiter sur les démons. Poussiéreux au possible. Franco, c'est toi? Laisse le pot de chambre à sa place habituelle. Et reprends le plateau, je n'ai pas faim aujourd'hui. Professeur Tremblegon? Qui diable? Comment êtes-vous entré? Sortez! Je ne sais rien, je ne veux rien savoir, c'est compris? Non et non, dehors! Je ne vous veux aucun mal. C'est ce démon qui vous envoie, je le sais! Quel démon? Enfin l'ignorance! Pas de ça avec moi. Vous savez, Gaunter demeurait le mal incarné. Il ne m'envoie pas, mais c'est à propos de lui que je viens. Je suis sorceleur. Un mutant. Tout le monde, ouais. Amin, tout le monde. Possible. Je suis ici en quête d'une information. Et vous pourriez être celui qui la détient. Un sorceleur. J'en déduis que je n'ai rien à craindre, n'étant pas né de la conjonction. Que vous voulez, Holger de Von Evreck? Ouais, je t'en reconnais. Maudit soit le jour où j'ai posé les yeux sur cet individu. Ce jour-là, il est apparu sur mon seuil et m'a offert un sac d'or si je découvrais qui est Gaunter demeuré et comment m'en débarrasser. J'ai accepté, c'est ma spécialité. Et j'avais besoin de cet or. J'ai compulsé maints ouvrages, recoupé les incidents les plus obscurs, passé le folklore au peigne fin. Mes voyages m'ont conduit jusqu'à Nilfgaard, à sa bibliothèque, où enfin j'ai trouvé la trace de cette mystérieuse entité. On le retrouve cité sur plusieurs millénaires, dans maintes cultures, sous de nombreux noms. Mais toujours, il est le mal incarné. Ici-bas, il répond au nom de Gaunter demeuré, parfois Maître Miroir ou... L'homme de verre. Déchiffrer les manuscrits anciens m'a rendu aveugle, mais j'y ai beaucoup appris. Par exemple, le fait qu'il joue avec ses victimes, et qu'avant tout, il fait son miel des contrats. Des contrats a priori inoffensifs, qui poussent les signataires à la folie. Ce cercle magique, que signifient les runes sur le pourtour? Elle me protège. Ici, le mal ne peut m'atteindre. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il me l'a dit lui-même. Un jour qu'il passait, fascinant tête à tête. Déjà aveugle, je l'ai pourtant vu distinctement. Il me souriait. Il s'est dit honoré de susciter un tel intérêt. Il a souhaité me remercier et m'indiquer qu'à son tour, il s'intéressait à moi. Il a dessiné le cercle et affirmé que j'étais à l'abri dedans. Sa façon de me remercier, en somme. Vous l'avez quitté depuis? Si vous l'aviez entendu, vous seriez aussi certain que moi des conséquences. Que savez-vous d'autre sur ce type? Gaunter demeuré n'est pas un type. C'est le mal. Le mal incarné sous cette forme. Oubliez-le, ou mourrez. Vous êtes vivant, vous. Vivant, mais terrifié en permanence par ce que j'ai appris de lui. Holgerd a conclu l'un de ses contrats avec lui. Brillante déduction. Avez-vous deviné pourquoi? Vous devez savoir qu'il vient d'une lignée riche et influente, sans quoi sa belle famille ne l'aurait jamais accepté. Mais savez-vous que sa fortune a tourné court? Il est devenu paria, sans le sou. Puissante comme elle l'est, la famille d'Iris n'aurait jamais accepté qu'elle épouse un moins que rien. Holgerd a souhaité s'enfuir le plus loin possible, mais Iris a refusé de couper les ponts. C'était mal parti. Comme vous dites, le sort s'est acharné sur eux quand une sorcière a évoqué une solution.
Un homme capable d'exaucer tous les souhaits. Maître Miroir. La suite coule de source. Holger des Murets. Rencontre à la croisée des chemins. Souhait. Pacte de sang. Et prix à payer. Holger devait sacrifier un être aimé. Murray adore les choix cornéliens. Il savait qu'Holger aimait deux personnes. Sa promise et son frère Vladimir. Holger a tranché. Peu après, il épousait sa bien-aimée Iris. Sa fortune rétablie. Donc Holger a tué son propre frère ? Non, non. Réfléchissez, sorceleur. Gaunter agit-il directement ou indirectement, hein ? Holger a signé la lettre de sang. Le lendemain, son frère était mort. C'est Holger qui vous a dit tout ça ? Bien obligé. Sinon, comment poser mon diagnostic ? À vous entendre, c'est une maladie. En pire. Certaines maladies se soignent, mais jouer avec le mal, difficile d'imaginer un remède efficace. Pourquoi vouloir se débarrasser de Gaunter ? Holger avait tout ce qu'il souhaitait. Vraiment ? Son cœur était devenu de pierre. L'amour qu'il vouait à sa femme, pour laquelle il avait sacrifié son frère, était mort. Il avait perdu tous les êtres aimés. Avait-il voulu cela ? Non. Gaunter accorde ce que l'on souhaite, pas ce que l'on veut. Tous les signataires apprennent la différence, et on meurt. Tous ? Pas moyen de s'en débarrasser ? En le tuant, tuer le mal ? Non. Pourtant, les annales mentionnent un homme qui aurait annulé son pacte. En battant Gaunter à son propre jeu. Ce qui veut dire ? Gaunter élabore des contrats, des formules pièges, des défis à l'intellect. Défiez-le sur ce terrain, il acceptera et pourra être vaincu. Mais gardez à l'esprit l'unique enjeu, la seule chose qu'il désire, ce sont les âmes. Gaunter a laissé une marque sur mon visage. Il y a un moyen de l'effacer ? Une marque ? Jamais rien lu de tel. Étrange. Sauf si... elle disparaît une fois le pacte rempli. Si je le défie et mets ainsi un terme au pacte, la marque partira ? Je l'ignore. Le seul homme à avoir réussi ne portait pas de marque. Merci. Je vous dois beaucoup. Bien. Parfait. Bah... se sentir utile après toutes ces années d'enfermement, de peur quotidienne, c'est un plaisir en soi. Quelle destinée. C'est ouf quand même, hein. Le mec il est resté emprisonné toutes ces années autour de ce cercle. Il a fallu d'un petit truc, on dirait destination finale un peu. D'un petit truc pour que le Shaitan il vienne le récupérer quoi. C'est chaud hein. C'est pas chaud les gars. Fait flipper de ouf l'autre hein. À le croire, c'est le démon incarné, quoi. Merci, Chuchu, pour le follow. Welcome. C'est ouf. Je pense qu'il va falloir qu'on repasse par là où on est arrivé. En tout cas, pas mal de connaissances, hein, ça, c'est ouf. Je suis sérieux, là ?
suis arrivé par où, moi? Je suis arrivé par là. Ah, mais là, il n'y a pas moyen de repartir, là. Moi, je me casse de cette merde. En plus, j'ai l'impression que je me suis bloqué, là. Non! Sérieux là? Toutes les portes elles sont fermées. Oh frère, je suis câblé dans un truc là. Peut-être là. Bonsoir zombie. T'es sérieux Moré? Du PM frère. Je peux rien faire gros. Salut Maxivore. Je peux rien faire gros. Merci Ratchi pour le follow. Allez gros, j'ai pas le temps frère, je vais arrêter le stream dans pas longtemps quoi, on me casse pas les couilles, donne-moi une porte à ouvrir et c'est bon quoi. Ils sont sérieux sur le jeu là? Même si j'ai pas les deux mecs là, je m'en fous. Hein. C'est un truc de malade. Hein. Y'a pas un puits ou même pas. Merci The Frozen. Merci infiniment frérot. Content et sub. Merci beaucoup la famille. Ça fait plaisir gros. Merci pour ton soutien gros. D'où tu viens, il y a une tour, va devant. Dedans normalement, c'est là. Ok. Non, tu vois, je sais pas gros. D'où je viens gros, c'est un peu approximatif, j'ai fait 800 fois le tour. Et merci gros. Je sais pas. C'est un peu con quand même de se retrouver bloqué comme ça. Moi. Et ouais, ça passe vite, ouais. Et ouais, ça passe vite, gros. J'ai le seum, en fait. Je te dire, le vendredi, ça passe tellement vite. On n'a pas le temps encore.
puis aller plus calmement, parce que peut-être j'ai raté un truc. Je sais pas. Je sais pas, mais de toute façon, putain, au dernier boss, il va falloir que j'arrête le truc au dernier boss, ça me saoule. Witch Hop, non, jamais de la vie, gros. Regarde à gauche, il y a une échelle. Je la vois vraiment pas, je suis désolé, mais. On est censé sortir d'ici, on est d'accord. Au limite, je suis mal et tout là, les gars, franchement. C'est impossible d'expliquer sur le chat, les gars, c'est impossible. Oh, 8 heures pour sortir du truc, quoi. Un petit GG, les gars. C'est la dernière mission à faire, non, je crois. C'est impossible d'expliquer, gros, avec 40 secondes de décalage, c'est impossible. Tu vas m'expliquer, mais j'aurais fait déjà 10 fois le tour de la carte, quoi. Tu as semé, tu récolteras. J'aurai pas le temps, hein. Franchement, j'aurai pas le temps. Je pense qu'on fera la fin demain. Je sais pas si le DLC dure encore longtemps en fait. Et comme j'ai ma femme qui va pas tarder à arriver. Ils sont puissants, ouais. La dernière quête, au pire je la fais, hein. Au pire je la fais, je me mute s'il y a un souci ou quoi. City Wall.
Je vais tout réparer, je m'arrête là. De toute façon, faudra continuer demain, donc demain on fera ça, toutes les quêtes annexes, etc. etc. Donc on aura quand même pas mal de choses à faire. Pas d'histoire, d'accord ? Non, ça va plutôt se terminer, gros. Hein ? Interdiction de vagabonder ici. Votre présence même est un affront au feu. Oh ! Va te faire voir. Ouais, j'aime pas être pressé, gros. J'ai envie d'apprécier le truc et j'ai pas envie d'être pressé par le temps. Salutations, Ebé. Bonjour. Oui. Après, y'en a qui comprennent, y'en a qui comprennent pas. Tant pis, les gars. Ma vie familiale avant tout, tu as vu. Du coup, celle 28. Ouais. Celle 37, 35. Ça, c'est quoi? Ok, ok, ok. Ça, je vais garder. Ça peut être intéressant, je trouve. Ok, artisanat, réparer. Ok, alors attends, ça. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Je crois que c'était tout. Hein. Et la dernière épée, je crois qu'on l'obtient sur la dernière quête, si j'ai pas de bêtises. Je suis pas sûr là, du coup. Pas sûr du tout. Ça serait bête de briser ce truc. Il y en a qui le font, ça? Ça serait con. Ok, l'équipe. Si, il y a, peut tout réparer, mais le problème c'est que si je répare tout, je vais réparer ces deux trucs et je m'en bats les couilles. Tu vois, je te jure de réparer ça et ça. Si, ça existe, tout réparer, regarde, ça me coûterait 119, c'est écrit en bas à droite. Mais bon, je m'en bats un peu les steaks, tu vois ce que je te dis ou pas. Donc du coup, j'ai plus que ça sur moi, c'est bon, 116 sur 160, c'est parfait. Bon, l'équipe, moi je vais m'arrêter ici. Je vais balancer une petite sauvegarde, comme d'hab. Adieu. Donc on aura quand même récupéré pas mal de choses intéressantes, on aura fait pratiquement toutes les quêtes annexes, on a fait toutes les quêtes annexes, etc, etc. Ok, ouais, je verrai, de toute façon je ferai une sauvegarde avant, donc si je la fais, c'est pas grave quoi. Voilà l'équipe, bon moi je vous laisse ici, je vous souhaite une excellente soirée, un bon week-end. Je vous laisse comme d'habitude avec un petit son, je sais pas ce que je vais mettre du tout là. On va mettre du King Arcana. Tu sais ce que je vais mettre? Je vais mettre un petit son de Aesu dans l'ancienne. Merci l'équipe, prenez soin de booster parano, je vous dis à demain soir, 21h comme d'habitude. N'hésitez pas à aller rejoindre, à me follow sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, ou à follow la chaîne si vous êtes juste de passage. Excellente soirée, bon week-end l'équipe, et à demain soir, 21h. Pas d'histoire. Peace, ciao.